si jamais on gagne, ça nous permet de pouvoir dire quelque chose. Cyril, faut pouvoir rentrer, tout ça. Bonjour tout le monde. S'il emporte le trophée, Dizzys chantera avec son ami Diams. Elle vend beaucoup plus que lui. Des disques par centaines de milliers. Dizzys La Peste est connu pour son humour et son sens du récit. Tout le monde lui prédit la victoire ce soir. Il s'est mis sur son 31. Il a opté pour un smoking plutôt que pour l'uniforme des rappeurs, jean baggy et sweat à capuche. Mais à quelques minutes de la cérémonie, c'est la tuile. Qu'est-ce qui se passe, Dizzys? J'avais une super belle veste et au truc là, ils l'ont. Au passage, ils ont mis un coup de peinture dessus sans faire exprès. C'est du sabotage, hein? Parce que voilà. C'est allez, à technique. C'est les minorités qui sont visées une fois de plus. Je pense que voilà. On essaie de nous rappeler d'où on vient, tu vois. On essaie pourtant de s'intégrer. Mais dans ce cas, on aurait pu dire. Ça se voit bien que c'est pas notre monde, putain, les gars. Qu'est-ce qu'on fout là? Putain, mais. Barrons-nous! On va se prendre en direct. Non. Elle était où la tâche? Tu sais même pas? 5 minutes avant le gong, quelqu'un réussit à faire disparaître la tâche. Ouais, elle était là. Oh, bah ça se voit pas. Dizzys La Peste! C'était l'un des derniers trophées en toute fin de soirée. Après le meilleur clip, après la meilleure tournée, le meilleur rappeur. Le meilleur ou le plus consensuel. Dizzys La Peste n'est pas dupe. La victoire, Dizzys! En cette période de tension sociale et communautaire, je me demande si c'est pas le rappeur gentil qu'on récompense, mais non, je plaisante. Non, je plaisante, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Notre vainqueur a beau persifler, ça lui fait quand même quelque chose. Même si le rap a été relégué après minuit, même s'il a été dilué dans une catégorie fourre-tout avec le reggae et le rhythm and blues. Mais il aurait fallu une catégorie rap comme il y a une catégorie rock, une catégorie reggae, une catégorie R&B, c'est pas les mêmes musiques. Et pourquoi il n'y a pas eu ça? Parce qu'on nous dérespecte, parce que nous c'est la culture de l'effort et c'est ça le rap, on nous met à minuit parce qu'on veut pas nous voir et pourtant on vend plus que tous. Ouais. Moi je suis content de l'avoir quand même. Non mais il a raison. C'est vrai, il a raison.